Ruth Morgan Aleiden, les tutres aujourd'hui, le Lunishmat Nissim Ben Aouda et Sarah Batran Rachel, ainsi que le Fouat Ariakeva Ben Shachar, et Raphaël Zeboulun Ben Chayam Alea Betor Shachol Israël. Si vous êtes aussi dédié à une prochaine étude de Mishnah, connectée à 5 minutes éternelles, nous étudions un Sechet Avot, Perek He, Mishnah Tet. Chaya Ra'a Ba'al Aolam al Shevuat Shav, Ve'al Chilul Hashem. Galut Ba'al Aolam al Ovde Avoda Zara, Ve'al Gilui Arayot, Ve'al Shfichut Damim, Ve'al Ashmatat Aaretz. בארבעה פרקים הדבר מתרבה, ברביעית ובשביעית ובמוצאי שביעית ובמוצאי החג שבכל שנה ושנה. בשביעית מפני, סוגר מה שזאתה, ברביעית מפני מעשר עני שבשלישית, בשביעית מפני מעשר עני שבשישית, ובמוצאי שביעית מפני פרות שביעית, ובמוצאי החג שבכל שנה ושנה מפני גזל מתנות עניים. On continue, je pense que cette Mishnah continue en fait la Mishnah précédente où on avait vu qu'il y avait 7 Averot, pour 7 punitions pour 7 groupes de Averot. Et en fait, on avait compté que dans la Mishnah précédente, il n'y en avait que 5. Donc, c'est pas précisé dans le Mefarshim, je ne sais pas pourquoi, enfin, d'après ce que j'ai lu, j'ai pas vu. Mais la Mishnah continue en proposant encore 2, donc ça fait 5 et 2, 7, c'est parfait. Logiquement, c'est la suite logique, je ne sais pas qui a découpé la Mishnah de la sorte, aucune idée. En tout cas, Chaya Ra'a Ba'al Ha'olam Al-Shevuat Shav Ve'al-Chilul Hashem. La sixième calamité, c'est Chaya Ra'a, les bêtes féroces qui viennent envahir la ville. C'était fréquent à l'époque avec les loups, il y avait de temps en temps les loups qui sortaient de la forêt, qui venaient, qui envahissaient, qui mangeaient des troupeaux, qui mangeaient des enfants, des jeunes bergers. Et en tout cas, Chaya Ra'a Ba'al Ha'olam, pourquoi il y a une telle calamité qui se produit, une telle punition quoi, qui vient sur le monde, Al-Shvuat Shav, sur le fait qu'on jure en vain, Ve'al Chilul Hashem, et sur le fait que l'on profane le nom d'Hashem. Que ça implique de profaner le nom d'Hashem? Le Bar Tanoura nous dit, Ha'over Avera Befaresia Beyadrama, celui qui va transgresser par exemple une Avera devant tout le monde. Qu'est-ce que ça fait transgresser une Avera devant tout le monde? Ça fait qu'on refroidit tout le monde. D'un coup on réalise que c'est pas si grave de faire une Avera, on est capable de le faire. Ouais, et Inami, encore autre proposition, Shem Nadam Roim, Velom Dimimasa, ou encore tout simplement, qu'il y a. Il ne le fait pas en public, il le fait même tout seul à la maison, mais d'autres personnes voient et qu'il le fait, et du coup ils se mettent à le copier. En fait, il a fait baisser le niveau de du peuple, quoi, enfin le niveau de fidélité à Hachem du peuple, et donc de ce fait, la punition, elle est d'avoir la Chaya Ra'a. C'est déduit de Psukim, c'est-à-dire, on déduit ça dans la parashat Bechukotai, qui a la Torah donne des groupes de Chas V'Shalom, de Klalot, qui s'abattent. 7 par 7 par 7 par 7 jusqu'à 49 klalot. Et là-bas, on déduit, c'est rapporté dans le Tosot Yom Tov cette fois-ci, il déduit ça de Psukim, sans avoir interprété toutefois le rapport de causalité. Pourquoi spécifiquement pour le Chilul Hashem et la Shvuat Shav? Alors ça implique que la punition sera d'avoir la Chaya Ra'a, les bêtes féroces, plutôt que je sais pas moi, que toutes les autres punitions qu'il va y avoir. En tout cas, on continue. Galut Ba'al Ha'olam al-Ovdei Avoda Zara, ve'al Gilui Arayot, ve'al Shfichut Damim, ve'al Ashmatat Ha'aretz. La galut, c'est l'exil, le fait que le Chas V'Shalom, on est obligé de partir migrer dans un autre pays parce qu'on est menacé ici, parce que les Juifs sont menacés. Alors, pourquoi une telle punition s'abat-elle sur les hommes? Al-Ovdei Avoda Zara, sur le fait que parce qu'ils font de la Avoda Zara, de l'idolâtrie, ve'al Gilui Arayot, sur toutes les fautes d'inceste, de femmes interdites, Ve'al Shfichut Damim, et sur les meurtres, les assassins, ou encore Ve'al Ashmatat Ha'aretz, sur le fait qu'ils ne gardent pas la Shvi'it, la septième année de Jachère. Alors on a le devoir de ne pas travailler la terre, et de ce qu'il fait, lui, c'est qu'il travaille justement la terre. Quel est le rapport, le point commun entre ces quatre Averot? C'est rapporté dans Tosot Yom Tov, cette fois-ci ça continue, c'est toujours déduit de la part de Jeanne Burgotay. Avec, cette fois-ci, une particularité que la Torah insiste pour chacune de ces avérotes en nous disant que l'on impurifie, on souille la terre. C'est-à-dire, lorsque un homme faute avec une femme interdite, à part le fait de faire quelque chose de mal pour lui-même, il y a quelque part, il fait baisser le niveau de Gdusha de la terre. Il porte atteinte à la terre. Et de ce fait, comme ça c'est précisé aussi, il y a des psukim, « L'otah hanifuata aretz » c'est dit sur le meurtre, qui est kol atovevot à elle, anche aretz, vatitma aretz, vefkod avona alea. Ça impurifie la terre. Idem avec la Avodah Zara,
et aussi avec la Shemitah, c'est qu'il y a une condition pour vivre en Israël, c'est qu'on respecte les règles qu'il a fixées, qu'a fixé le boss de la terre, qui est Akadosh Baruch Hu. Il a dit, bon, aujourd'hui tu travailles, demain tu travailles pas. Tu travailles, ben dégage, c'est tout. C'est le même principe, puisqu'on a purifié la terre, alors la conséquence, elle est de devoir quitter la terre. C'est la galoute. De ce fait, je déduis donc, je pense que c'est logique, quoi, que ça ne concerne que la terre d'Israël. Où il y a cette notion de ne pas impurifier la terre d'Israël. Donc quelqu'un qui ferait sa vœu autant que la haaretz, il n'aura pas ce châtiment de partir en exil. D'accord ? Ensuite, la Mishnah continue en nous disant, Barba prakim ad dever mitrabe. À quatre périodes de l'année, ou du septennat plutôt, du groupe de cette année, la quatre reprises, par année ou par cycle de cette année, le chiffre 7, Barba prakim, à quatre reprises, ad dever mitrabe. La peste se. Les épidémies de peste explosent, quoi. Ça commence à se développer. Barévit, à la fin de la quatrième année, vous savez qu'il y a peut-être qu'on fait une petite introduction avant, le cycle du calendrier agricole de la Torah se passe en 7 ans. En 50 ans, 49 ans, en fait, c'est 7 fois 7. On va se contenter sur 7 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce sont des années où on peut travailler la terre, et la 7e année, c'est l'année de la jachère. Lorsqu'on travaille l'année pendant les 6 ans, alors il faut savoir, on donne la trauma, on prélève un premier prélèvement d'un 50e, on donne au Kohen, un deuxième prélèvement, un dixième, on donne au Lévi, et un troisième prélèvement, encore une fois, de un deuxième dixième, que l'on donne cette fois-ci, selon les années 1, 2, 4, 5, ça devient du Maaser Sheni. Et c'est quoi la particularité du Maaser Sheni? Ça reste à nous, mais il faut le prendre et aller le manger à Yerushalayim. Lorsque l'on monte à Jérusalem pour faire pendant les 3 fêtes, eh ben, on prend là-bas tous nos fruits, ou bien on peut transférer les fruits, la doucha des fruits sur de l'argent, et on prend cet argent, on amène Yerushalayim, on doit manger, c'est dans le but de manger avec plein de simcha Yerushalayim en invitant les pauvres, et voilà, la Torah a fixé de l'argent à dépenser à Yerushalayim. Ça c'est pour les années donc 1, 2, 4, 5. Les années 3, 6, ce sont des années où il faut prendre cette fois-ci ce deuxième prélèvement, donc le maaser ani, et le donner aux pauvres directement, on ne doit pas le garder pour soi à Yerushalayim, mais on doit le donner aux pauvres qui peuvent le manger même tout de suite. Ce qui se passe maintenant, j'introduis encore un autre principe. Lorsque l'on a un devoir de donner de l'argent aux pauvres et qu'on ne le donne pas, et que le pauvre, dans sa difficulté, il meurt de faim, eh bien, chas vechalila, ça s'appelle qu'on l'a indirectement tué. Puisque dans ce cas-là, on l'a tué, alors on avait appris dans la Mishnah précédente que dever bala olam alimitot amurot batora, shalonim sur le bedin, lorsqu'on a fait une transgression de la Torah sur laquelle on est passible initialement de mort, mais que l'on ne peut pas condamner pour X ou Y raison, il n'y a pas assez de témoins, il n'y a pas assez de quoi le condamner, selon le Bet Din, eh ben, on apprenait que malgré tout, Hachem finit par régler les comptes en envoyant la peste qui tue tout le monde. C'est ce qu'on avait appris dans la Mishnah précédente. En l'occurrence, maintenant, on revient dans notre Mishnah et puis on va comprendre que si, Chas v'Shalom, on a provoqué la mort d'un pauvre de faim, la mort de faim d'un pauvre, alors, en retour, chas v'chalila, les hommes risquent la peste, quoi, des épidémies de peste, et de mourir par des causes naturelles, comme ça, d'épidémies qui se développent et qui frappent tout le monde. Alors, de ce fait, à cause de ça, la Mishnah nous enseigne, à quatre reprises, il y a des épidémies de peste qui se développent, qui sont barévites à la quatrième année, puisqu'on sort de la troisième année où il fallait donner aux pauvres, sont le même principe. Bashvi'it à la septième année, puisque la septième année, c'est celle qui vient après la sixième, où il fallait de nouveau donner l'argent aux pauvres. Ou Bemotzeshvi'it à l'année qui suit la Shvi'it, donc lorsqu'on recommence le cycle, à la huitième année, qui est en fait la première année du cycle suivant, ou de nouveau, puisqu'en Shvi'it, il fallait laisser les fruits pour que les pauvres puissent venir les manger et qu'on ne l'a pas fait, les pauvres ont eu faim, et peut-être que Chas v'Chalila, ça a risqué de les tuer. Alors de ce fait, de nouveau, on a le dever. Et aussi, au Bemotzae et Chag, Shebechol, Shana, Veshana. Et à la sortie des fêtes, quand il y a marqué Chag dans la Mishnah, ça implique Sukkot. À Sukkot, toutes les fêtes, Pesach, Shavuot et Sukkot, sont en rapport avec le calendrier agricole. À Pesach, c'est le moment des moissons. À Shavuot, c'est le moment où on ramasse le blé. Mais ensuite, on le laisse sécher pendant tout l'été. Et puis seulement après, une fois que l'on arrive à Sukkot, alors ça va être le moment maintenant où on va le prendre, on va le ramasser, on va commencer à le commercialiser. Et ce qui se passe, donc, lorsqu'on doit le commercialiser, c'est là le moment de laisser toutes nos dettes envers les pauvres, de l'Eket, Shicha, Pea, P
Peretz Veolelot. D'accord ? Différentes matnotanim qu'il faut laisser sur les récoltes, et en l'occurrence de ce fait, après les fêtes, après Soukhot, si toutefois le Ham Israël a mal donné les dons aux pauvres et que les pauvres ont eu faim et en sont morts, Chas V'Chalila, de nouveau, Makat Dever. Et c'est ce que la Mishnah ensuite continue à nous expliquer. Ubo Motzaï et Chag chez le Chol Shana Veshana, à la sortie de la fête, à chaque année et année. Barévit, donc maintenant la Mishnah va nous expliquer tout ce qu'on a dit à l'oral. À la quatrième année, pourquoi? Mipne Maaser Ani chez Bashlishit, à cause du Maaser Ani, la dîme, le dixième qu'il fallait donner pour les pauvres au Ani chez Bashlishit, durant la troisième année. On a fini l'année, on n'a toujours pas donné. Idem pour la Bashviit, Mipne Maaser Ani chez Bashlishit, la septième année à cause de l'année de sixième année où il fallait donner aux pauvres qu'on n'a pas donné. Bemotzaï Shviit, à la fin de la Shviit, pour quelle raison? Mipnei Perot Shviit, à cause des fruits de la Shviit qu'il fallait donner aux pauvres et qu'on n'a pas donné. Et encore une fois, ou Bemotzaï et Chag Shebechol Shana Veshana, et à la fin de Soukhot, à chaque année et année. Mipnei Gezel Matnot Anim, de nouveau, parce qu'il y avait des Matnot Anim, des dons aux pauvres à faire, qui n'ont pas été réalisés. Et pour finir sur une bonne chose, bien sûr, que. Bien, à l'inverse, lorsque l'on donne à manger aux pauvres, alors on gagne doublement. Tout d'abord, ça augmente la parnassa, c'est important de le faire, aser qui déchire ta chair, avec en plus de ça, puisqu'on fait vivre le pauvre, alors on mérite nous aussi de recevoir la vie, Bezrat Hashem, en vous souhaitant une bonne journée, comme tout vous sert.